Et salut tout le monde, on se retrouve donc sur Fortnite Sauver le Monde pour donc poursuivre la quête donc du serial killer. Alors c'est un truc assez bizarre, hein, c'est écrit pour piéger un Leprechaun. Donc à mon avis c'est vu que c'est la Saint-Patrick, ça doit être les choses comme les lutins pour l'Irlande, je crois c'est ça, c'est en Irlande. Ouais. Voilà, donc ça doit être des genres de lutins ou des choses comme ça, enfin voilà, ceux qui font de la magie quoi. Il faut un appât appétissant. Ah ben, je vais donner Valentin. Un appétissant, on pourrait dire. Bref, attraper un leprechaun avec des aliments vus à la télé. Vu à la télé. Oh là 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 là. C'est vrai qu'elle est compliquée l'énigme, donc à mon avis, il faut détruire des télés et peut-être qu'on va trouver quelque chose qui pourra donc. Qui pourra donc être l'aliment, et là de ce fait là, peut-être y aura un chaudron quelque part où il faudra déposer ça pour attraper le prochain, et il faudra en faire 5. Je pense à quelque chose comme ça. On va constater ça tout de suite ensemble, hein. Bon, bah, sauver les survivants, hein, on y va. Quand je vois l'écriture de certaines personnes, ça me fait vraiment mal. C'est Aussi. quoi le feu? Le feu, il écrit FEUT en parlant du feu d'artifice. C'est où le Ouais. pub? C'est où le pub? Bah, c'est dans ta ville, peut-être. Oh là 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 là, c'est. Oh. Moi j'en peux plus de voir ce chat, hein. C'est horrible. Il devrait faire de ça. Mais normalement on peut le virer, je crois. On peut le virer dans les options. En fait, je remarque qu'il n'y a plus ATR. Ah bon? Bah ouais, c'est ce que je suis en train de voir là. C'est vrai que je me crois samedi alors qu'on est que vendredi, quoi. Ah ouais. Pourquoi cette impression? Parce que c'est aujourd'hui que Julien n'est pas, donc cette impression. Parce que quand il n'y avait pas encore repris les cours, bah. Si tu veux, j'étais obligé de patienter jusqu'à 18h, 17h30 pour obtenir le câble. Mais là, je l'ai directement dans la journée. Ah, bah là, je vois un lutin, mais c'est pas pour moi, ça, à mon avis. Parce qu'il est grisé. Ah, je suis mort. Si je fais pas ça, je suis mort. Oh putain. On va aller voir tout de suite les télés. Peut-être que j'ai raison. Peut-être que j'ai tort, mais peut-être que j'ai raison. Donc, là-dedans, il doit bien y avoir une télé. Ah bah oui, y en a pas. Peut-être à l'étage. Je suis con. Non, non, non. Bah, vu que je sais pas vraiment si c'est écrit en point d'exclamation ou pas.
Je suis obligé tout de suite de bien chercher en fait. What? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ah oui! Ah oui, ils sont malins, hein. Ils nous mettent deux survivants l'un à côté de l'autre à protéger. Comme ça, il y a double spawn. Ah ouais. Bah non, l'autre survivant, c'est pas pour un spawn. Ouais, il y avait bien beaucoup de zombies. Même le jeu, en fait, il sait plus ce qu'il doit faire, hein. Les zombies galèrent à spawn. C'est réel. J'ai un Pour moi, je vois que ça, hein, détruire des télés hein, pour l'instant. Parce que j'ai rien trouvé de plus. Ah, bah voilà, on a une télé. Bon, bah il y avait rien dedans. Je sais pas, peut-être faut la fouiller la télé, je sais pas. Là, il y a une télé. Il y a rien dedans. Puis elles sont pas en jaune et tout, donc ça m'étonnerait que c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je relise ce qui est écrit. Vu à la télé, donc ça c'était ma première hypothèse. Donc bon bah à mon avis on a juste à attraper hein, le prochain, mais bon faut-il encore savoir où les trouver. Ah, c'est ça. Bon une fois qu'on en aura trouvé un, voilà, ce sera plus facile, on saura tout. Ah le mec il se fout de ma gueule, la trousse de soins elle est à côté de lui. Hein. On va me dire qu'il peut pas la récupérer, arrête là. Il sort de chez lui, il traverse la route, il y est. Bah oui, il l'a laissé dans son bistrot. Dans un bistrot, le mec. Ou une café... Bon, une cafétéria, plutôt. Bon, bon, le prochain, je sais pas ce que c'est, mec. Hein. Franchement, aucune idée. On lance une mission, j'ai regardé. Alors... Ça quand on est nul là. Ah, je regarde tous les points d'exclamation que je peux trouver, mais... Putain, il y a trois bâtisses. J'avais pas vu ça. Donc ça c'est fait. Malachite et obsidienne. Ouais. Alors. Ah.
Pardon. Ben, c'est bien. Oh, j'ai aucune idée de où c'est, mec. Hein. Je sais pas du tout. Je sais pas, alors. Franchement, y a rien d'écrit, y a rien de dit spécialement. Ils disent pas de chercher dans des zones bah, spéciales, quoi. Ah, merci. Du riz soufflé au chocolat. C'est là que tu te rends compte quand même que les zombies, ils ont 800 000 fois plus de vie qu'auparavant. Parce que là, enfin, auparavant, tu pouvais quand même les shooter avec ta pioche. Bah alors là, maintenant, mon gars, c'est impossible, hein. Allez, eh, bougez! Bah mon gars, le survivant il bouge pas, il est con. Ouais, il est con. Non, les survivants, mon gars. Il est con, il se laisse frapper et il bouge pas. Je suis toujours coincé, hein. Je sais toujours pas ce que je dois faire, hein, dans cette mission. Finalement, en fait. Bah ouais, c'est pareil. Pourquoi? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je crois qu'il y a Ray qui parle, donc je vais remettre le volume audio. Oh putain. L'aspirateur qui arrive maintenant, ça va être chaud ça dans le micro. Hein. Devoir regarder pour vraiment couper le son. Éviter qu'il y ait ce bruit là. Donc. En gros, faut aller plutôt dans les zones fin de map en fait. Ouais, tu vas vraiment dans les fins de zone et en fait tu trouves. En tout cas, pour l'instant, j'ai trouvé que en fin de zone. Hein. Mais je suis des. Bon, depuis que j'ai commencé à contempler la fin de zone, je suis déjà à 3 sur 5. Ah, donc en fait. En fait, c'est les zombies qui sont. Les zombies, les. Ce qu'on doit trouver, quoi, c'est eux les serial killers. Et puis un paquet de trombones ou un truc chiant. Celui-là a toujours été un peu la honte de la communauté des lépreux chaudes. Nous continuerons le combat au sein de moi. Ouais, bah c'est bon, j'ai terminé, mec. C'était vraiment une quête très facile. Hein. Ah ouais, mais le survivant il peut rien faire, il est entouré par tous les zombies. Et si ça ne marche pas, donc voilà, bah vous avez déjà la vidéo, hein. Il suffit vraiment d'attendre la fin. Enfin, il faut vraiment aller dans les zones sur les côtés. Enfin, sur les côtés, sur. Ouais, si, sur. Si vous faites le tour de la map et vous allez trouver très 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 rapidement et facilement.
Je sais pas si je continue la vidéo ou si je l'arrête, étant donné qu'on a fini en fait la quête, finalement ça sert peut-être pas à grand chose de la continuer. Ouais, si, on va la continuer juste pour voir le prochain événement. Et puis parce qu'on va gagner 500 tickets printaniers, et donc on pourra faire normalement un lama printanier. Alors là par contre j'essaye de faire au plus vite les fusées. Avec un peu de chance j'irai vite à 40, comme ça je pourrai acheter le nouveau défenseur qui est assaut. C'est vrai que les gens négligent ça parce que ça fait un moment que c'est apparu, donc les gens ils en ont marre de faire les fusées, mais en vrai les laissez pas. Moi je fais tout le temps. Ne les laissez pas. C'est un truc qui vous rapporte énormément. Enfin, on est sur du sans or à la fin de la mission, donc. Donc je rappelle pour ceux qui regarderont la vidéo que le tirage a été effectué, que nous avons les deux qualifiés. Ils seront priés de me noter leur PSN pour que je puisse les inviter samedi, sinon bah, je serai dans l'obligation de choisir quelqu'un d'autre. Donc si jamais je dois choisir une autre personne, étant donné que Predator a le chiffre 7 et que plusieurs fois il a été tiré ce chiffre, enfin plusieurs personnes ont demandé ce chiffre-là. À ce moment-là, si par exemple c'est lui qui vient pas, ou même que c'est Ruben, hein, je referai à partir du chiffre 7 et j'inscrirai les noms du nouveau, enfin de ceux qui ont failli être tirés, sauf Predator bien sûr, et je ferai à nouveau, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, voilà, le logiciel s'occupera de tirer quelqu'un au hasard, pas de souci. Il y a un coffre. Mais mon gars, le coffre, on entend tellement peu maintenant. On n'entend plus hein, comparé à avant. Ouais. Je veux bien qu'ils ont réduit les bruits parce que ça faisait trop mal aux oreilles, mais là, mec. Après, c'est peut-être moi qui suis en bas volume, mais. What the fuck? Non, même quand tu augmentes le volume, tu l'entends plus que toi. Franchement, je vais vous en mettre tellement plein la vue sur la piste. Ha ha. Oh, si t'as pas le tempo, tant pis. Il te reste les arts martiaux. Bon, c'est vrai que là, j'ai plus rien à faire, alors je fais un peu le con. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, on a tourné cette vidéo comme ça parce que logiquement j'aurais dû faire l'événement de la Saint-Valentin demain, mais nous sommes toujours le 16, et donc en fait elle sera publiée demain pour me faire une vidéo de sauver le monde en fait. Mais en plus c'est bien, comme ça je peux regarder vite fait au montage s'il y a des problèmes. Par exemple là l'aspirateur, je vais pouvoir réduire la voix, enfin je vais peut-être supprimer ma voix à ce moment-là, mais au moins ça supprimera également le bruitage de l'aspirateur qui a sûrement dû être affreux, pardon, pour les oreilles. Bon, quand même, ça. Hein? Ah, je sais pas ce que ça va faire dans la vidéo, donc
C'est bien quand ils mettent des événements de la Saint-Valentin ou de la Saint-Patrick, je sais même pas comment l'appeler là, parce que bon, finalement ça continue les pages de la Saint-Valentin, mais on est plus sur la Saint-Patrick que la Saint-Valentin, donc je sais pas l'appeler. Je sais pas comment l'appeler, mais c'est bien Oui, ça parce aurait que pu ça. changer. Ouais, ils auraient dû changer la page, hein. Mais ce qui est bien, c'est que ça me permet de. Bah Ah, de. mais on se sauve le monde. Ouais, voilà, parce que sinon, en fait, c'est vrai que je peux pas vous mentir, hein. Continue. J'ai pas grand chose à faire après, sinon sur sauver le monde. Enfin voilà, je vais pas filmer une quête que je dois faire, ça sert strictement à rien, c'est toujours la même chose. Et au niveau de parler de l'aide entre les survivants, comment gérer les survivants, comment gérer les défenseurs, les héros, tout ça a déjà été fait. Et je pense pas que vous ayez besoin de plus qu'une aide sur le. Sur le livret la bombe et sur évacuer le refuge. Si, à la rigueur, on peut faire un réparer le refuge, mais ce sera du même type que l'évacuation du refuge en fait. Vous inquiétez pas, à force. Nous, on accumule des missions à Picardie niveau 76 et donc nos points de talent ils augmentent. Et avec ça, notre force aussi elle commence à augmenter. Et donc après, on va pouvoir rusher un peu plus. Parce que là, en fait, si vous avez pas des gens avec vous, c'est impossible quoi. C'est mort, C'est hein. impossible pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on reste coincé au niveau 76. J'ai réussi, depuis que je suis à Picardie, j'ai réussi à faire. À finir trois quêtes. Trois quêtes complètes. Pas mission, hein, des quêtes. Donc j'ai fait Ouais. deux. J'ai dû faire 8 missions, je pense, total. 8 missions réussies. Donc c'est très très difficile d'avancer. Mais bon, ça ira avec le temps. Ah bah merde, je croyais que je pouvais faire un lama printanier, mais non, il manque 500 en fait. Ouais, t'en as ouvert tout hier. Bah ouais, mais c'est bizarre. Tout à l'heure, j'ai dû gagner 500 tickets, non? Non, c'était les V-Bucks. Ouais, non, mais avant ça. Hors des fous. C'est quand que j'ai fait cette vidéo? Ah, c'était hier. Ah, bah j'ai ouvert un lama hier. Ah, bah oui. Oui, bah donc. Bah désolé, en fait, j'ai dit de la merde. Et donc, qu'est-ce que sera notre prochaine mission? Trouver des nains de jardin. 5 nains de jardin verts. Alors, ça, on l'a vu, c'est vraiment pas difficile. On l'a vu, le mec tout à l'heure, il devait déjà avoir cette mission. Et donc, ça a pas l'air compliqué. Ils ont l'air direct dispatchés un peu partout sur la map. Faudra juste avoir le badge d'exploration pour dire de fouiller la map à 100%. Et puis, enfin, bah voilà quoi. À mon avis, vous aurez un point d'exclamation qui sera peut-être différent des feux d'artifice comme on avait vu la dernière fois. Où l'autre ça faisait plus. Ça partait plus en triangle et l'autre vous aviez plus un trait vraiment bien droit. Histoire de montrer un peu la différence. Donc, on va sûrement retrouver. Un genre de choses comme ça. Mais bon, nous verrons ça donc dimanche. Sur ce, bah, tout le monde, bah, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à inviter vos amis pour qu'ils s'abonnent également. Plus on sera nombreux sur la chaîne, plus on pourra sortir du contenu mieux fait, que ce soit montage ou des choses différentes, même hein, des autres jeux ou des choses comme ça, parce que ce sera pas toujours Fortnite. Au bout d'un moment, Fortnite. Il va mourir, hein, comme tous les autres jeux, et il faudra Ouais. changer quoi. Donc, faudra pas hésiter à dire en commentaire quel jeu commence à devenir populaire, quel jeu vous souhaiteriez avoir en vidéo et des choses comme ça. Mais sur ce, bah, je vous laisse les amis, je vous remercie encore, et sayonara tout le monde. Ciao.